retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de cette journée du mercredi 18 décembre 2019, toujours avec le tarot néoclassique et toujours avec le jeu du destin de Yegel Didier. C'est parti! Ça fait beaucoup de cartes là. J'ai dit que j'en prendrais qu'une. Oula. Eh bien, encore un roi. Aujourd'hui, nous allons avoir le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un petit peu le pendant du roi d'épée qu'on a eu hier. Je vous le montre d'un peu plus près. Et le roi de coupe, il est beaucoup plus à nu. Que le roi d'épée, hein. Il est beaucoup plus à nu que le roi d'épée, parce qu'en fait c'est un personnage qui nous parle d'émotions. Les coupes, ce sont les émotions, mais celui-ci, il nous dit que dans cette période où on va nous demander d'être très terre à terre, le roi d'épée nous dit que nous allons réussir à garder la tête froide, que nous allons réussir à maîtriser nos émotions, à ne pas nous laisser guider par elles, mais vraiment à les maîtriser. Vous voyez, comme le cheval fou que l'on maîtrise. C'est la capacité en fait à effectuer correctement une tâche, à effectuer correctement un objectif en fait, hein, sans se laisser envahir par nos émotions positives comme nos émotions négatives, ni exaltation, ni pessimisme, d'accord? C'est un peu ça. C'est le fait d'avoir une vision paisible des choses. Voilà, d'avoir une vision paisible des choses sur ce qui se passe, sur la nature d'événements, la nature des réactions, etc. On est plutôt serein. Ça peut être aussi notre capacité à prodiguer de bons conseils par rapport aux autres, ou ça peut être représenté aussi dans ce moment-là une personne qui nous prodiguera de bons conseils, mais ça peut être aussi les conseils qu'on se prodigue et les bonnes décisions que l'on prend pour nous-mêmes. Encore une fois, le bémol, ça va être que parfois, on contrôle tellement nos émotions qu'on peut en arriver à les nier ou à nous déconnecter nos émotions, en fait. Hein. C'est un bémol, c'est-à-dire que je pense pas, parce que, voilà, de toute façon, même si je vous ai dit, je la lirai pas renversée, mais bon... En fait, on pourrait tellement les contrôler qu'on ne les exprimerait même plus, en fait. Hein. On va mettre l'aspect émotionnel de côté. Voilà, bon, c'est rien de grave. Moi, je sens pas que ça va tourner comme ça, mais c'est un bémol que je suis obligée de vous dire. Voilà. Après, pour le reste, pour moi, aujourd'hui, on va garder la tête froide. Le roi de denier, il nous offre cette capacité à garder la tête froide dans toutes les situations, qu'elles soient émotionnellement compliquées ou émotionnellement exaltantes. Voilà. On va regarder avec le Yegel Didier. Là, il y en a trois. Mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. On va prendre. On a encore eu la passion. Donc, encore, soyez maître du jeu. Encore, faites ce que vous avez à faire. Comme lundi, en fait. Hein. Faites ce que vous avez à faire. Croquez la vie. Prenez ce que vous avez à prendre. Tentez votre chance. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Surtout avec le roi de coupe, vous allez bien maîtriser vos émotions, donc vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner aujourd'hui. Voilà. Sur ce, on se retrouve demain avec un nouveau tirage. Salut !